C'est sous escorte des gendarmes qu'arrive la star du jour au couvent San Francesco d'Aligiane. Dans cette mallette noire saisie par le maire de Piazzale, l'original d'un petit tableau du peintre siennois Sano di Pietro, la Vierge à la cerise, une œuvre du XVe siècle qui a bien failli disparaître. Il avait été récupéré pour permettre certains travaux dans l'église et dans le couvent, dans les années 65. Il a été conservé par cette famille une dizaine d'années, voire peut-être un petit peu plus. Et ensuite, nous l'avons récupéré, nous l'avons fait dépoussiérer et non pas restaurer. D'ordinaire conservé dans une pièce sécurisée du musée d'Aleria, ce tableau faisait aujourd'hui le bonheur des visiteurs. Personnellement, ça me fait penser un peu à ces icônes russes avec de l'or tout autour. Il y a une lumière qui est vraiment exceptionnelle aussi. Après un Dio vi salve regina merveilleusement chanté, le prêtre polonais exhibe un chasuble imprimé de l'œuvre qui lui vaut bien des remarques. Oh, quand vous êtes beau avec ça, oui. Je suis fier surtout d'être ici. Je vous dis franchement, parce que c'est là, dans les Alpes, à Cervione, il y avait la belle région comme ici. Donc c'est là, ma fierté, c'est tout ça. Ça, c'est un petit détail. Pour les amateurs de peinture primitive italienne, sachez que cette Vierge à la cerise sera exposée prochainement au musée de la Corse, puis au Palais Lanti via Ajaccio.